Comme chaque année, avec un peu d'appréhension et tout de même beaucoup de bonne humeur, un bon nombre de participants se préparaient à prendre le départ du rallye du Pic d'Annie. Ici, pas question de moteur hurlant, d'odeur de ricin brûlé et de sifflement de pneus, le crissement des chaussures dans la neige remplace avantageusement tout cela. 2, 1, go. Pourtant, c'est un véritable rallye, tout y est, top de départ, chronométrage, relais, délai limite. Ça va être assez sélectif avec le coup de l'enneigement qu'il y a dans la montagne. Oui, aujourd'hui, cette année, nous avons un très mauvais enneigement. Il y a beaucoup de neige, mais il pleut depuis 2 jours. Alors, nous n'avons même pas pu atteindre le sommet. Nous avons préféré, par mesure de sécurité, nous arrêter à l'éperon, ce qui fait que la course sera peut-être, se déroulera à un rythme plus rapide que d'habitude, puisque l'an dernier, les premiers avaient mis 2h13 minutes, et cette année, mettons moins de 2 heures pour faire cette ascension. Du refuge de la Berouade jusqu'à l'éperon d'Annie et retour à la cabane Lardinet, 2 heures de marche et de ski dans la neige, c'est une dure épreuve pour les équipes en course. L'état du terrain n'est pas toujours particulièrement propice, vous l'avez entendu, les dénivellations sont importantes et le chronomètre suit de sa marche saccadée le parcours des sportifs. Pourtant que la montagne est belle. Il y a un renouvellement et les jeunes ont transformé le style de l'épreuve. Au début, elle était conçue pour des équipes qui étaient plutôt des montagnards, c'était des équipes lourdes. Ça a été une époque, c'était l'époque des pionniers. Maintenant, les jeunes sont arrivés et avec une technique de descente, telle qu'ils ont transformé le caractère de la course. Alors, fini les équipements de montagne, ce sont des gars qui partent, qui cherchent toujours à être équipés très légèrement. C'est la vitesse pour la montée et c'est la vitesse pour la descente. C'est surtout les techniques actuelles qui sont utilisées maintenant, même pour le ski de haute montagne, voyez-vous. Je monte chez toi. J'ai le cœur qui saute. Moi, je préfère les marcher à pied. Est-ce qu'on se lève tôt là-haut? Quand soit-on les journaux là-haut? Entend-on le métro, les tramways, les autos? A-t-on le vrai repos là-haut? Bien sûr, l'épreuve est difficile en elle-même, pourtant vous allez pouvoir le constater, neige pourrie, montée, descente, froid, tous les obstacles s'effacent devant une difficulté majeure. Oh, la plus grosse, c'est de trouver la femme. C'est la femme. Après, non, des hommes, vous en trouvez tant que vous voulez, qui marchent bien. Moi, la plus grosse, c'est à la descente. Parce qu'on n'a pas les chaussures adaptées, on n'a pas des chaussures de ski, quoi. Puis c'est une neige qui est très difficile aussi. Neige, oui. Imprévue. Puis la forêt qui est très longue. Ah, ça, elle est très très pénible. Ça demande un entraînement très suivi. Oui. Ah oui. Mais, c'est une question d'entraînement. Oui, je crois, oui. Moi, j'ai pas eu d'entraînement. On essaie toujours de tout prévoir et au dernier moment, il pleut la veille et c'est humide, ça colle. C'est difficile. Oui, mais enfin, nous avons quand même eu des conditions, disons, assez favorables parce qu'il ne faisait pas de vent, il pleuvait un petit peu.
mais il ne faisait ni trop chaud ni trop froid.